Alors bonjour déjà. Bonjour. On aurait aimé savoir aujourd'hui un petit peu comment ça se passe avec le jury, si vous aviez des... Je ne sais pas si vous êtes beaucoup en contact avec eux, mais... Je lui ai dit bonjour tout à l'heure au petit déjeuner, tout le jury. Ils sont, je les sens hyper motivés de voir la suite parce qu'on a déjà commencé par de très belles choses hier. Et eux, ils ont vu de très belles choses et ils sont impatients, c'est ce qu'ils m'ont dit, de voir la suite parce qu'on sent qu'il y a un cru qui est exceptionnel cette année. Et voilà, et moi je les rejoins dans cette lignée-là parce que j'ai vu des choses incroyables et je suis impatient de voir la suite aussi. Oui, Gad Elmaleh nous disait qu'il voulait être le président du rire. Est-ce que pour vous, ça vous confirmez Alors je le confirme, genre, je vais vous dire un truc off parce qu'on a dîné ensemble et il nous a fait un show. Il est mémorable, il nous a fait un sketch mémorable. Alors c'est un président, mais... de grande qualité. Ah ouais, vraiment de grande qualité et je trouve que c'est le président qu'il fallait, je pense, pour cette année à l'Alpe d'Huez. D'accord. Et vous, alors je reviens un peu sur les coups de projecteur, tous les quatre, vous êtes un groupe, on a l'impression très lié, on voit ensemble rigoler, l'ambiance, ça se passe bien? Ça se passe super bien et en plus, lié, c'est plus que ça, je trouve qu'on est homogène, tu sais pourquoi homogène? Parce qu'on a fait du ski et on a tous le même niveau. Mais il est bon en plus, on a un bon niveau. Moi je fais du surf et je pensais que j'allais être en retard par rapport aux autres, mais pas du tout. J'ai assuré et ils ont tous assuré, donc je dirais on a un groupe très homogène.